Salut tout le monde, c'est Richard. Petit gameplay de Midgard, un jeu de cartes, à toute vraisemblance, un peu à la Hearthstone. Vraiment, on est un peu sur la même mécanique. Et on a un mix de Magic à cause qu'il parle de mana et de gems, ce qui est intéressant aussi. À ce que je comprends à date, je suis encore dans le tutoriel, il faut brûler des cartes pour créer notre propre mana. Et les minions ont un tour, dans le fond, aussi de mal d'invoque, à ce que j'ai pu comprendre pour l'instant. Donc là, je fais le tuto pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. C'est pas mal ça. On est plongé un peu dans un univers post-apocalyptique. Puis ils ont mis la table avec un... Justement, il y a une histoire dans le background. Magic, on a un univers quand même vraiment immense derrière ça. Par rapport au Planeswalker, par rapport à l'histoire en arrière, toutes les BD, tous les livres qui sont sortis. Vraiment un univers qui est créé. Par contre, dans le jeu, ça, vu que dans le jeu de cartes en soi sur l'ordi, on entend un peu moins parler. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit mis un peu plus de l'avant dans Midgard. Ça donne un autre aspect au jeu, si on peut le dire ça ainsi. Donc, bring card, build up my resources after a few turns, you will be more powerful cards. You should burn this forlorn spirit. Non, ah oui, je prends ça, je l'envoie dans le burn. Sur le fond, ça va me créer de la mana par tour. Donc là, je me tombe à avoir deux mana. Exact. Ok, elle va se refaire à chaque tour. Ce qui est quand même cool aussi. Ensuite. Drag the other forlorn spirit from your hand to any lane. D'accord. Ici. Come play. Devant la chute, quand qu'elle est stockée. Awaken, c'est-tu quand qu'elle tombe plus en malévoque ou quand qu'elle est castée? Ok. It looks like that Minotaur is ready to start fighting. Ouais, il perd malévoque. Minions threaten the three lanes in front of them. Ah! Fait qu'une stratégie aussi de positionnement des cartes. Tell the Minotaur to attack the gatekeeper. Nice. A few more of those and we'll have him beat. C'est PV, je te dis, c'est T7, ok. Enter. Opponent's turn! Est-ce qu'il va brûler une carte pour de la mana? Ouais. J'ai fait deux mana par tour. He played a minion to block my attack. I need to find a way to get attacks through. Ok. I could use an ignition to deal two damage to that Hellion. Ouais, c'est sûr. Petit choc. Nothing stands in the way now. Make sure both. Yes. Easy. Oops, I almost forgot to burn a card this turn. Finish off the gatekeeper. Hein? Tu fais ça au deuxième main step. Main phase. Main step. Ah, cool. Ça, c'est ce qui s'est passé bientôt. Le recap. Bon. Ça, ça coûte 4 mana. Ça peut brûler l'UL. Je caste ça. Moi ouais, je sais que je peux pas attaquer. Bam. Elle m'a fait ses dégâts aussi. Ok. Enter. Il reste un PV. Fait que peu importe ce qu'il y a, mais je peux rentrer dedans à cause de la position de mes cartes. À moins qu'il y ait un. À moins qu'il le mette là, ça marche tout. Ok, fait que lui pas attaquer. Techniquement, si je comprends bien. De quoi? Ah, le cochon, mais mini 4 mana! C'est chiant. Putain, il va être fourré. Parce que ça attaque là, ça attaque là. Enter. Je vais pas brûler parce que j'ai pas besoin, honnêtement. Là, j'ai perdu une carte par contre, ça fait un peu chier. Il va en mettre proche. Non, il en brûle. Pour 5. Il va pas bloquer les deux. Mais elle a tellement d'attaques, puis elle aussi elle va le sortir, puis ils mourront. Elle mourra pas, elle va mourir. Mais moi je vais pouvoir caster ça. Caster ça. Come play. Ah, quand 40 ans to play. Lol. J'ai même pas pensé. Un petit ping d'un. Oh les coins, génial. Encore des boosters de marbre. Encore rien pas une Kimpo. Moi je peux s'acheter l'Indie comme je fais avec Magic. Ce serait tellement plus simple. You win! Continue! C'est ça, l'histoire est quand même... T'sais, oh, graphiquement, c'est joli. It's been a thousand years. Anyone reasonable will see it my way. You risk everything. Okay. Tell you what, if your boss drops by, tell him I'm looking for my mom. And maybe I wouldn't mind if he called. Ah,
Ok. Next mission. She emerges in a darkened corner of a city she does not know. The world is not as it was. Mortals have remade the horizon with their towers of glass. What the fuck, le policier avec la hallebarde? Ah non, il l'a-tu piqué au gars ou c'est son arme pour se battre, genre? At least the puppies are cuter here. Damn, niaise pas avec le puck, eux autres! Avec wolf. Nos petits shotguns avec des pucks de plastique, notre poivre de KM, on se ferait respecter en estime, la hallebarde! Tabarde! Il a pas fait tout ouf, il a fait hoping for scraps of the underworld's power. Little godling, you look lost. For but a taste of your power, I'll help you find your way. Laisse-moi te manger un doigt, je vais te dire où aller, genre. Beside the lord of nightmares. This broken creature gives her little pause. Hey, loser. C'est moi. You want a taste of... Pum. Coffee vampire. Excusez, pardon, hein. You're about to get a face full of it. Ben, voyons donc. Aucune connotation sexuelle. Ok, ça, ça rentre en jeu, fait un dégât, aucune habilité. Draw a card, quand il... Dismiss. C'est quand il meurt, c'est quand que je le burn. Ouais. Ouais, ça, c'est classique. Just like last game, I'm going to start by burning a card. Oh, putain, cards je I burn sais. Get shuffled back into my deck. Ouais, ça, ça se fait un peu... Awake, ok. The Mycene. An ability that trigger when destroy. Génial. Ok, donc... Divination, c'est quoi ça? Ok, top 3 cards, you can pick one, put it up. Ok, c'est un Scry 3. Bah, pas tout à fait, mais pas loin, ok. Un Scry, tu peux le laisser au-dessus. Non, Scry, tu le laisses au-dessus, tu le mets pas en bas. Voyons, char. Ça fait longtemps que je peux jouer à Magic. Demain, je organise ça. Ça serait intéressant. Bon. Damage. Ok, ok. Fait que je vais brûler pour rentrer l'autre. That Strigoi pup will attack every turn if I don't stop it. Ah oui, alright, le magic. I need to put down a blocker of mine. Step one, summon a creature. Alright. Step two, just keep playing. Really. Je le sais qu'il va être mort. À mon tour, mais il va le bloquer. Y a-tu un truc justement? Life toughness, life toughness. Ok, ok. Ah, il y a life link. Hein? Mais c'est un deck de vampire, c'est presque normal que tu tues le Rifling, là, on s'en fout. Moi j'ai un pop là. Je vais le brûler. Je vais rentrer ça en jeu. Enter. Come play. Un dégât. Après ça, je vais brûler. Je vais brûler ça, honnêtement, pour rentrer lui puis elle à la place. Ah non, c'est ça, ben, trop. Je vais rentrer juste moi. Qu'est-ce que? My minion can attack either enemy. Pick. Oui, oui, je sais. Chut, chut, chut. Fait que... Je vais... Je n'ai deux mains. Honnêtement, je n'ai plus besoin. Draw a card, c'est la vie. J'ai des cartes consentantes. Je vais mettre ça là. Un qui bloque, il va mourir. Mais ça me dérange pas. Parce que je change, je vais piger. Donc elle, va attaquer là. Je vais forcer. On peut lui attaquer, puis le tuer. Puis ils vont tuer les deux. Ok. Yabay, ensuite. Les animations sont correctes. C'est intéressant. Ok, c'est un ami de la chute. Scruffy vampire has lurker. Ah, il m'a pas attaqué. Pourquoi? C'est bizarre qu'il m'ait pas attaqué, il était là au dernier tour. Ok. Je vais brûler celle-là. Ils m'ont rentré ces deux petites-là. Comme ça. Comme ça. Come play. Come play. Ça, c'est une unité. Breach. Ok.
comme directement au joueur, il va gagner plus 2, plus 0. Si ces deux-là s'annulent, celle-là va... Honnêtement, je pense que je vais le tuer tout de suite. Comme ça, je vais piger ma carte. Nice. Ça aurait pu être une 2, j'aurais pu la jouer, c'est pour ça, mais bon. Ok. C'est cool qu'il se lève avec les espèces de blades de chaque bord pour... attaquer! Ah, le cochon! Ok, faut que je le bloque. Ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Mais lui, il passera pas. Fait que... ça. Ah, c'est ça. Comme ça, ici. Ouais, c'est correct. Un petit instant. Turn, turn. Que s'il m'attaque, c'est sûr que je perds la mienne. Puis je pige. Ok. Life time. Ok. Envoyer ma. Corne de marre de mécanique. En def. Nice. Comme ça, c'est pour 4. C'est quand même beaucoup. You take damage if you try to draw from an empty deck. Cover over a deck to see how many cards are left. Oh, ma 5 cartes. Putain. Oh, je fais attention à mon draw. On trouve deux. Je sais pas s'il y a des instants où on peut pas jouer pendant notre tour, ce que j'ai l'impression. Fait deux dégâts directs. Fait que ce que je vais faire. Ah, oh, mais zéro, je suis un con. J'ai pas besoin de la mana de suite. Fait que je brûlerai pas mes cartes, je vais les conserver pour pouvoir les jouer justement. En 4 de mana pour le deck présentement, j'ai l'impression que c'est de la lourde. Enfin, toi tu te heal, mais. Tu perds ta carte. Puis tu vois, est-ce que c'est life tap ça aussi? Lurker. You must attack auto blocking minion before Lurker. Ouais, mais si je peux pas t'attaquer, tu m'en colles. 2, 4. Ah, je l'ai tué, c'est beau. Comme ça. Et comme ça. Fucker. Anyway. Ciao, bye. Ah, la mécanique est pas compliquée. C'est sûr que là, je suis au début, donc les habilités sont pas encore sorties, puis y a rien de complexe qui est amené. C'est un tutoriel, donc ils nous apprennent à jouer aussi. Là. Okay, Creeper, listen up. Getting grabby in an alleyway is never okay. Non. That's not listening, that's talking. I'm a motherfucker! You smell like summer, huh? Like darkness overwhelming. Are you a god? Oh, Pinwalker. Even if I am, there are way bigger gods. No, the real gods have been gone for so long. You are going to change everything. I'm not here to change anything. I just want to find my mom. Ah, bitch, please. Bon, next mission. Troisième. Hey, watch it. Vampires are fair game, but this is not okay. Chris. Ah, ouais, clair. All right, little wolf. Enough. What? T'es un werewolf. Arrête, elle va se battre ton... Hey. Oh mais... C'est drôle parce qu'il y a le symbole du jeu dans le front, fait que je me dis qu'il doit être un lien, hein. Just saying. Il va me clairer la face, là. What? C'est quoi sa mana, lui? What? What? You know, you can zoom in on any card. Ah, c'est un effet de terrain. C'est bien cool! Ben, c'est un equipment dans le fond, si on veut. Même equipment slash un enchantement de créature. Ben, hot! J'en ai un autre là. Fait que je vais clairer ça. On crée tout de suite un. Ça. Au backer, ce qui va popper là. Mais pression, pression, c'est quand même intéressant. Au début de game, je sais bien. Hein. Pour pas que des Vivant Trample doit strike. Ok. C'est peut-être l'élément initial du deck ou de la personne. C'est comme de la glace, ce serait de feu. Give a minion suppressor the lock in strength. Wow! Ok.
ça vient barrer. Ok, ça le débuff. Oh, each opponent. Ah! Each opponent? C'est pas ça que je jouais tantôt? Ok, ah, ok, mettons qu'on... Tu joues à plusieurs? Ah, oh, ça serait cool ça, d'en jouer en multi. Si je brûle ça, je rentre ça. J'ai brûlé une 1, je suis con, Ren. Je voulais rentrer la 1. Ah, zut, flûte, patate poêle. Merde, oui. Mais misplay. Ah, si je pourrais, j'envoie. Si je pourrais. Si je pourrais. Ouch, mes oreilles saignent par ma propre faute. Faut que je me flagelle, je reviens. Lui, je le conserve. Ça, je vais. Pour un jeu, j'active tout ça tout de suite. Il fait 2, je l'attaque, clair. Parce que là, il va attaquer. Ok, ça, je vais faire un clac. Clac. Oui, je vais perdre, mais lui, il se pourra pas m'attaquer au prochain tour. End turn. Et j'y garde un bloqueur là. Faut... Parce que je vais pouvoir caster à côté. 3, Defender. What? Defender Armor 1. C'est ce qu'il doit bloquer. Defender, il peut pas attaquer. Si c'est comme Magic. Armor 1, il doit pouvoir soaker un dégât. Ou That Stone Mother has Defender. She'll protect minions near her unless I find a way around her. À 5 de l'armure, c'est quand même fort. Sauf que c'est pas impénétrant. Flying? Rush, teleport. Ah, c'est haste. Rush et haste. Teleport can move to enemy. Il peut attaquer partout. Fait qu'il est flying dans un sens. Pour 3. Comme ça. Comme ça. Puis haste. Fait que je peux attaquer tout de suite. Comme ça. And burn. That lane enchantment to get around the Stone Mother. Hey, tabarouette, hein? Moi. Je veux faire... Qu'est-ce qui est quoi? Ah, nice. Minions with agile. Ignore both defender okay. And... Ah, oh, c'est non, la defender. Use agile minions to get around that Stone Mother. Cool. Ah, oh, c'est un terrain, un ancien terrain. Nice. Est-ce que j'étais à 2? Je vais brûler elle pour rentrer lui pour attaquer comme ça. Phantom. Et s'il donne agile aux autres, non, c'est juste. Non, je la rajoute sur elle. Okay. Yo! Elle a pas vu. Fuck well. Donne un defender. Ok. Pour 4. Toi, il saute. Comme ça. Comme ça. Et t'es mort. Easy peasy. T'as moins 3, t'es mort en caisse. Oui, oui. What? Oh my god! Magma Tor. Ah ouais, ok, quand il casté des 3 lignes de Chumion, on peut une 3 lignes. Ok, 3 lignes en face de lui, il va faire des gars. Ah, génial. Buy a pack from the store. Ça commence. Ouais, je trouve ça intéressant. C'est vraiment bien. Mais ça, c'est vraiment cool aussi. Le storyline d'un. Wow. C'est vrai. Now you have something to say. Well, little wolf, attacking me was not cool. Not cool at all. I don't even know why I attacked. You're like a memory that I can't quite place. Can I join your pack? My pack? You're kidding, right? Biting me was not a great sales pitch. I know.
I wasn't myself. I really can keep it together, though. And you look like you could use a friend. We'll try for a day. And absolutely no biting. À moins que je te le demande. A wink wink. Mais le menu, ça a l'air de quoi? Hop. Cool. Écoutez, c'est intéressant. Je dis pas que ça serait mon jeu de cartes de prédilection que je jouerais tous les soirs. Mais honnêtement, c'est vraiment bien fait. Ben de l'allure. Pour le prix, je sais pas, ça ressemble à quoi exactement. Ça. Ah, oh, je vais aller voir plus tard. Mais peu importe, ça doit être dans les 20 et moins, sinon c'est gratuit. Je sais pas comment tu tombes. Ça doit pas être bien cher, sérieusement. Tiens, les shit core pack. On va l'ouvrir un pack juste pour le plaisir d'ouvrir un pack. Open pack. Ah, oh, puis tu peux ouvrir selon l'élément. Ah, oh, puis ça c'est le même. Core pack. C'est 20 là, on dirait une table de sacrifice. 6 cartes, ils sont cheap. Ok. Je sais pas tout ce qu'on voit les raretés. Oh, ok, ça c'est une plus rare. Ok, en haut ici sûrement. Nice. Oh! Oh, mine, on défend avec un attaque. Cool. Tu fais un deck de wall. Classique. Enjoy! Non. Bon. Bien. Sur ce, on va... Comment je fais pour clair? Ok. Ok. Jade R. 99. Drôle de nouvelle. Ok, c'est cool. Vraiment, je... Ah, en arrière, c'est une montagne. Tu dis, c'est vraiment cool. Il est en train de baver, de la glace. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit let's play, ce petit gameplay de Midgard. J'espère que vous allez soit l'essayer ou ça vous a donné une bonne idée à savoir si c'est un jeu qui était pour vous ou non. Si vous êtes un amateur du type de jeu de cartes sur PC, d'après moi, c'est quelque chose... Ça rivalisera pas nécessairement directement avec les Hearthstone puis Magic qu'il y a présentement sur le terrain. Par contre, c'est une belle alternative. Puis avec une mécanique un peu différente, puis dans un univers différent que Blizzard. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!